Bonjour, je suis Marianne Lucas, et je vis avec une maladie chronique qui s'appelle le blépharospasme. C'est une maladie neurologique non dégénérative. Les dystonies sont un groupe de maladies dont le blépharospasme. L'association de malades atteints de dystonie, cette association existe. Elle m'a beaucoup renseignée sur la maladie et cette association s'appelle AMADIS, Association des malades atteints de dystonie. C'est vrai que toutes ces affections sont répandues, elles sont particulières, elles sont rares et elles sont souvent ignorées. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'errances de diagnostic. Donc, je vais vous montrer la fiche de l'association. L'association s'appelle AMADIS. On la trouve très facilement sur le site internet. L'objectif de l'association, c'est de communiquer, se rencontrer, s'entraider et aider la recherche. Et la devise de l'association, c'est en parler, c'est déjà aider. C'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Je suis toujours avec mes documents et j'invite les personnes à vivre, qui vivent avec la maladie à lire, à se renseigner. Donc, il y a plusieurs bulletins qui sont édités aussi au cours de l'année et qui permettent d'informer sur les actions menées, également des reportages sur la dystonie, des interviews aussi de médecins. L'association est composée aussi donc de 13 membres de conseil d'administration, un conseil scientifique d'une trentaine de neurologues, ophtalmologues, kinés. Je suis active dans cette association en tant qu'administratrice parce que je voulais voir de l'intérieur et puis je voulais aussi apporter ma pierre à l'édifice et quelquefois exprimer parce que le sujet du blépharospasme n'est pas suffisamment pris en compte. Les besoins du blépharospasme ne sont pas suffisamment pris en compte. Par exemple, des moyens pour lire. La lecture pour moi, c'est très très difficile. Un article comme celui-ci, je vais peut-être le lire en 2 jours parce que la moitié d'une page, ben, mes yeux vont se fermer au bout de cette demi-page. Et donc, des applications audio devraient être proposées dans beaucoup de revues puisqu'elles sont aussi proposées sur Internet aussi avec nos outils informatiques actuels. Et puis, il existe aussi, de par l'association, un livre qui traite spécialement du blépharospasme, qui est écrit par le professeur Brigitte Girard, ophtalmologiste, qui traite depuis plus de 20 ans les patients atteints de blépharospasme. Donc, ce livre est accessible à tous. Il explore différentes facettes du blépharospasme, et puis il rapporte quelques situations vécues aussi, hein. Donc, ce livre s'appelle Mot pour mot. Le blépharospasme. Donc, ils décrivent tous les sujets. Hein. La partie, on va dire, la partie technique, la description de ce qui se passe au niveau du cerveau, des témoignages aussi, et ensuite les différents observations cliniques qui peuvent être faites. Ce livre-là, qui existe qu'en papier, est offert aux personnes qui souffrent de blépharospasme via l'association AMADIS. Et l'hiver dernier, j'ai eu le plaisir de réaliser avec aussi une autre personne qui souffre d'un blépharospasme. Nous avons réalisé la version audio de ce livre que tout le monde peut consulter sur le site amadis.fr. Donc, pour contacter AMADIS, c'est simple. Il y a des réseaux sociaux aussi qui s'appellent Soutenons Amadis. Vous pouvez joindre aussi sur www.amadis.fr, vous arrivez sur le site Amadis. Il est tout à fait possible d'adhérer à l'association, hein, qui collecte toujours des dons, en tout cas pour la recherche et puis pour le fonctionnement de l'association aussi. Je ne savais pas trop à quoi j'allais m'attendre. Et puis, grâce à Fabienne Maillet, que j'ai croisée, qui habitait tout près de chez moi, j'ai vu fonctionner ce groupe de femmes aussi bénévoles. Et je me suis dit, ben là, j'ai quelque chose à faire. Donc, j'ai besoin aussi d'évoquer mon parcours. J'ai besoin aussi de parler des étapes.
J'ai trouvé que c'était assez facile pour moi parce que peut-être que j'étais dégourdie, curieuse et audacieuse. Mon objectif à aujourd'hui, c'est de proposer l'aide, c'est d'éclairer les personnes. Donc moi aussi, je reste à disposition. On peut me joindre aussi, mes coordonnées se trouvent sur le site Amadis et je suis prête à répondre à tous les appels, à toutes les demandes.